stay with me under the moonlight. We'll be magical as we salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo spéciale sur comment en un an, j'ai autant évolué côté écolo. Là, je vais mettre quelque chose au clair tout de suite. Je ne suis pas parfaite et je ne veux pas qu'il y ait des commentaires dans le sens qui sont négatifs. Ah, mais là, tu essaies d'être écolo, mais tu fais tellement de surconsommation. Tu essaies d'être écolo, mais le meilleur truc que j'ai eu, je vous le donne. C'est d'y aller un pas à la fois. Zoé Lou, va voir papa. Tu sors d'ici. Le papa, faut qu'il voit Axel. Allez, assis. Hein? C'est ça. Il faudrait que j'ai un bureau fermé, insonorisé. Donc, le meilleur conseil que j'ai eu et que je vous donne, si vous êtes dans ces démarches-là, c'est d'y aller vraiment un pas à la fois et c'est comme une routine d'enfant. Tu sais, un coup que tu as instauré quelque chose, que tu es à l'aise avec ça, tu peux en rajouter un autre et c'est comme ça que tu perdras pas les habitudes parce qu'il va être vraiment instauré dans ta routine et tout. Donc, nous, depuis un an, on a fait extrêmement de changements. J'étais vraiment quelqu'un qui se disait, ben, de toute façon, que moi je fasse quelque chose, ça ne change rien et j'en connais autour de moi qui sont encore comme ça et je ne les bouscule pas. Là. Des fois, je donne juste des petits cues, exemple, mais pourquoi tu prends pas ça? T'sais, ça va tellement mieux, ça coûte moins cher à longue, c'est meilleur pour la planète. Et c'est ça. Donc, nous, la première chose qu'on a changé, c'est. Je vais essayer de vous le dire un peu en ordre. Ben, on s'entend que c'est les sacs réutilisables pour aller faire l'épicerie, mais ça, je pense que tout le monde est à peu près rendu là. Je me sens tellement mal si j'ai pas mes sacs, puis il faut que... Souvent, je mets juste tout dans le panier. Nous, dans ma ville où j'habite, ils en donnent plus de sacs en plastique. Ça fait minimum un an, donc nous, on s'est vraiment habitués à amener nos sacs partout, même au magasin, là. Mais à part les sacs réutilisables, c'est mon nettoyant tout usage. Je vous l'avais déjà présenté, je ne me souviens pas si c'était sur ma chaîne ou sur... Allez! Sur ma chaîne ou sur Instagram, mais je vous explique le concept. Tu sais, il y a beaucoup de marques qui font des trucs en vrac. Tu peux aller remplir, exemple, ton détergent, whatever. Mais celui-là, j'aimais encore plus le concept. C'est le site vert. En passant, toutes les compagnies que je vous nomme, je ne suis pas... C'est pas une vidéo commanditée du tout, du tout, du tout. C'est vraiment... soit des produits que j'ai reçus et que j'ai adoptés à ma nouvelle routine ou que j'ai acheté et que je suis tombée en amour avec. Donc, le site vert. Comment il fonctionne? C'est une bouteille de concentré comme ça. Et tu mets des push dans ton eau chaude. Donc, au lieu d'aller remplir ta bouteille à chaque semaine, deux semaines, mois, cette bouteille-là, ça va faire un an que je l'ai. C'est comme, t'as pas besoin de te déplacer. Fait que t'es pas tout le temps, ah, c'est vrai, j'ai plus nettoyant, je peux pas faire le ménage. Donc, je trouve que cette invention-là est tellement meilleure qu'aller en vrac, là. C'est vraiment que ça qu'on utilise et ça sent vraiment bon. Tu sais, c'est fait à base d'huile essentielle. Puis, c'est ça. Je sais pas si c'est marqué les ingrédients, mais en tout cas, c'est un truc tout usage qui sent vraiment meilleur que genre du RTL et qui est vraiment plus écolo pour la planète. Aussi, ensuite, il y a après les sacs réutilisables, il y a eu les sacs réutilisables pour les fruits et légumes. Ça a été vraiment long avant que je prenne l'habitude, là, je vous cacherai pas, là. Parce qu'on dirait que je pensais à mes sacs, mais pas à mes petits sacs, là. Je prenais tant les sacs à légumes, à fruits et légumes, vous savez ce que je veux dire. Mais moi, j'utilise soit ceux de Maman Couture ou ceux de l'Écolo Accro. C'est vraiment deux compagnies que c'est les deux compagnies que j'achète le plus ou que je prends le plus leurs produits. Là. Leurs sacs sont juste incroyables.
Maman Couture, c'est vraiment, elle fait plein de beaux designs comme ça. Et l'écolo accro, c'est comme plus neutre. Fait que dépendamment à quel genre vous voulez, plus flyé ou plus neutre, là, il y a vraiment les deux. Et les deux, je les aime autant. Fait que je pourrais pas en dire un plus que l'autre. Et il y a vraiment toutes les grandeurs. Puis moi, je les utilise vraiment pour plein de choses. Là. Exemple, on s'en va à quelque part. Ben là, je sépare mes produits, j'ai mis là-dedans. Ou en tout cas, prochaine chose, c'est les sacs à collation. Ils sont tous dans lavage en ce moment. Et je vais m'en recommander parce que c'est fou comment je les utilise énormément. On n'a plus de sacs Ziploc du tout à la maison. Ça aussi, c'est une autre fierté. Je sais, je suis peut-être en retard là. Peut-être que vous, ça fait des années que vous êtes rendu là. Mais moi, aujourd'hui, où je suis rendue après un an, je capote. Là, c'est ça. J'en ai pas, mais c'est des petits sacs fermés, les sacs à collation. Moi, j'achète ceux de l'écolo accro. Je trouve que la qualité, pour en avoir testé plusieurs, la qualité laveuse, sécheuse, le zip, tout reste beau, vraiment longtemps. Et le matin, surtout, je l'utilise pour mettre les céréales aux filles. J'amène ça à leur tour, ils ont chacun leur sac, ils me leur donnent, je le mets dans la vache, c'est réglé, ou tout. Je mets des petits bleuets. Quand on s'en va faire un pique-nique, là, je sors tous mes sacs à collation, puis je remplis ça, puis ça va super bien. Alors, c'est ça. Puis, je suis plus portée aussi à que ça reste pas traîné dans l'auto, parce que nous, on est bon là, pour que notre auto soit genre une vidange. Là. On est vraiment pas... En tout cas, hein? Un autre sujet, ça. Mais c'est ça. Puis ça, on dirait que vu que je veux les relaver, c'est sûr que je les oublie pas dans le fond de l'auto. T'sais. Fait que ça, c'est mon truc. Et j'ai reçu aujourd'hui, parce que en fait, je parlais avec la propriétaire de l'écolo accro, et je lui disais que les seules choses qui m'agaçaient, qui me restaient à la maison, c'était les sacs à congélation que j'avais comme pas trouvé en nulle part, réutilisables, et le saran wrap. C'est les seules truc que je trouve que j'étais tout le temps sans arrêt. Puis on s'en va vers le zéro déchet, donc j'étais vraiment loin de là avec ça. Donc, elle m'a envoyé ces sacs de congélation réutilisables qui ont vraiment l'air de bonne qualité. Je ne les ai pas encore testés. Et elle m'a aussi envoyé les recouvre-plats qui remplacent le saran wrap. C'est comme une pellicule comme ça. Tu mets par-dessus ton plat. C'est exemple que tu fais du tartare, puis là, je veux le laisser reposer au frigidaire, mais là, au lieu de mettre un saran wrap, ça ici. Et comme je disais dans mon jeu de coller tantôt, c'est fou, mais moi, mon armoire à Tupperware est tellement en bordel que je ne trouve jamais le plat. Donc, je mets toujours soit du saran wrap, soit de l'aluminium. Donc, il m'y fallait vraiment, j'en ai de toutes les grandeurs. C'est vraiment génial. Je vous laisserai tous mes codes promo, tous les liens vers les compagnies, etc. Une la chose que je suis le plus fière, il y a deux choses, vraiment, vraiment, ben plus que deux choses, en fait, je suis fière, mais ce qui a vraiment, vraiment, qui nous a enlevé énormément de déchets, c'est les essuie-tout réutilisables. C'est fou, sincèrement, nous, ça fait près d'un an qu'on n'achète plus d'essuie-tout, et quand je vais chez quelqu'un et que je vois des essuie-tout, j'ai presque une crise cardiaque, mais je dis vraiment rien. Des fois, je passe un commentaire, genre, « Hey, tu devrais essayer les essuie-tout réutilisables, c'est fou comment ça lave bien. » Puis c'est vraiment vrai, parce qu'on quand on les a reçus il y a un an, exemple, j'avais échappé un café, puis le Max voulait l'essayer, il l'essayait, puis pour vrai, il était juste comme, « Ok, ça l'absorbe, genre, one shot. » Puis c'est pas comme, « Essuie-tout, tu sais, t'en prends un, paf, au lavage, puis avec le temps, il est pas moins absorbant. » Tu sais, on a tout le temps qu'on m'avait demandé ça dès le début, là. Donc, essuie-tout réutilisable de l'écolo accro. Je trouve ça fou que, tu sais, quand j'ai commencé à faire ça avec le produit du site vert, là, je me disais, la seule chose que j'achète encore, si j'essaie d'utiliser des guenilles, mais c'est les essuie-tout pour faire le ménage, ça va mieux. Je vous le dis, ça, c'est la vie. Autre chose, c'est... Allô? Ouais, le pyjama qui débat. Oh non, un caca. Ah, justement, je t'ai rendu là. Les lingettes, ça c'est récent, là. Puis je vous dis, des fois on oublie encore. Là. On a remplacé nos lingettes, mais je sais pas si Max il file. Ah, le petit gros. Hein? Les lingettes. Ça? En tout cas, moi vraiment, à chaque fois que je suis à la maison, je n'utilise plus de lingettes humides. On en a toujours dans le sac à couches, là. Parce que vu qu'on n'est pas aux couches lavables, c'est comme un peu compliqué de ramener voyons, les petites débarbouillettes là, pleines de caca. Là. Sinon, on pourrait, eux qui sont aux couches lavables, vous avez juste à le mettre avec eux. On pourrait se procurer un sac de couches lavables puis mettre ça, mais on n'est pas rendu là, comme je vous dis, c'est toujours un pas à la fois. Puis ça, c'est récent. C'est les débarbouillettes de Belle à Douceur que moi, je lave les enfants avec ça depuis
C'est presque un an aussi que j'ai usé. Je suis venue prendre ça pour prendre des lingettes. Ouais, mais il faudrait aller le mouiller, là, par exemple. Dans le fond, je fais juste aller le mouiller à l'eau chaude. Puis pour vrai, Axel, il ne hurle jamais, il pleure jamais. C'est tellement plus doux pour ses fesses, puis tellement moins gâcheur. On s'entend, là, des lingettes, à quel point vous en utilisez si vous avez des enfants. Vas-y, va le rincer. Ouais, tu changes une couche. Cet été, surtout, on utilisait les pailles. Ben, de plus en plus, là, tout le monde utilise des pailles réutilisables. Moi, j'utilise ceux de Jululu. Et j'essaie de toujours penser à en amener une si jamais je vais aller me chercher comme un breuvage. Mais pour vrai, de plus en plus, je n'arrête plus. Exemple, au Tim ou au McDo, justement parce que tant qu'à amener ma tasse au McDo, exemple, pour demander un café ou un café glacé, ben je le fais à la maison puis je pars avec. Fait que, tu sais, ça me coûte vraiment moins cher et c'est plus écolo parce qu'il y a moins de plastique, tu sais. Donc, ceux-là ici, et si vous me suivez depuis cet été, les moules à pops. On n'a pas acheté de pops aux filles de l'été. Ceux qu'on achetait, c'était vraiment, tu sais, les full sucrés, genre les fusées pour nous, mais mettons, les Mr. Freeze et tout. À place, pour ceux qui ne me suivaient pas et que vous êtes nouveaux sur ma chaîne, je mettais les smoothies E-Vive dedans. Donc, je faisais déjeuner les filles avec les moules à pops de Jululu. Ils ont capoté à chaque matin. J'étais la meilleure maman au monde. Donc, ça, pour vrai, les pailles de Jululu et les moules à pops de Jululu. Deux choses qu'on a changées en même temps, c'est les trucs à Swiffer. Les trucs à Swiffer comme ça, que tu colles en dessous de Swiffer, là, psh, psh, comme ça. Là. Swiffer Wet Jet. Swiffer Wet Jet qu'on a parce que je sais qu'on ferait la mop à tous les jours, mais qu'avec ça, on s'en sauve pour une couple de jours. Et non seulement au bout du compte, ça vous coûte vraiment moins cher d'en avoir. Là, je pense que ça vient en paquet de. On a combien, ça? 4, genre? Non, en moins. Excusez, Axel pleurait. Je me faisais un peu enterrer. Donc, ça ici, et non seulement ça vous coûte moins cher à Londres, mais ça ramasse aussi les cheveux. Tu sais, souvent, en jetable, là, genre ça traîne les cheveux. En tout cas, ça, c'est vraiment l'avantage en plus. Et en même temps, on a changé notre Swiffer, mais pour toutes les affaires, là, et ça ramasse encore plus. Que, là. Fait que, tu sais, on dirait qu'à date, être écologique, ça m'apporte juste des trucs positifs. Fait que, hein, pourquoi je continuerais pas comme ça? J'ai aussi de l'écolo accro, ça c'était l'écolo accro aussi, les bains de séchage qui font plein de choses, là, comme qui enlèvent la statique qui, au lieu des petits bombs. Mais moi, j'ai jamais mis de bombs. Fait que moi, je les avais essayés parce qu'on m'avait dit que le temps de séchage était vraiment, vraiment minime. Et si vous êtes habitué d'utiliser des bombs, là, vous pouvez mettre des huiles essentielles exprès sur les balles pour que votre linge sente bon. Mais personnellement, moi, j'ai fait juste les mettre dedans, j'en mets 6 et le temps de séchage est incroyablement moins long. Ça ici, j'ai aussi depuis quelques mois les brosses à dents en bambou de l'écolo accro. Ça lave aussi bien si c'est pas plus, c'est vraiment plus doux et beaucoup plus écologique que du plastique. Nous, dans le fond, là, quand tu es écolo, tu essaies de réduire le plastique le plus possible. Et c'est ça. J'ai ici le. Là, j'ai pas amené la recharge avec moi, mais le liquide à vaisselle de Attitude. Attitude aussi sont rendus vraiment écolo. Je suis vraiment contente parce que c'est des produits que j'aimais vraiment beaucoup à la base. Et ça vient avec une recharge. Là, je l'ai pas avec moi parce que le carton a pété. Donc, la recharge est juste en dessous de mon lavabo. Puis ça se traîne mal. C'est comme une poche de vignée, genre. Puis j'avais trouvé ça. J'aimerais vraiment ça faire ça. Dans le fond, j'avais vu sur Pinterest un étagère, tu sais, en bois. Puis que la personne avait mis toutes ces recharges-là. Comme, fait que, mettons, tu descends en bas, là, tu vas faire ta recharge. Puis on dirait que c'était un étagère, genre de vignée de vin, là. C'était vraiment beau le look qu'il avait fait. Donc, vous irez Pinterest, c'est ça. Et c'est pas mal le ce qui. J'espère que j'oublie rien. Mais de toute façon, c'est vraiment comme je vous dis, c'est un pas à la fois. Je suis peut-être vraiment en retard sur plusieurs d'entre vous. Ou peut-être d'avance. Ou j'espère juste que je vous ai aidé à faire un pas de plus, mais sans vous forcer. Et j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire, vous, sans blaster personne, sans commenter d'autres commentaires négativement. Je veux que vous me dites vos plus gros changements. Tu sais, comme moi, je vous disais que les essuie-tout puis les lingettes, c'est vraiment les plus gros, les sacs. Tu sais, c'est vraiment des gros pas que moi, j'ai fait. J'aimerais ça que vous mettez en commentaire vos changements que vous faites ou des trucs. Tu sais, les zéro déchet, exemple, quand vous allez à l'épicerie,
que vous amenez vos plats. C'est pas plus long, là. C'est pas. Puis il y a une abonnée sur Instagram qui vient juste de nous dire justement qu'elle est allée dans une conférence. Vous pouvez voir dans vos villes s'ils s'en donnent, là, des conférences comme Zéro Déchet ou Plus Écolo, qui disait que si pour toi être écolo c'est compliqué, c'est que tu le fais pas de la bonne façon. Donc, pensez à ça, puis c'est ça. Donc, laissez vos trucs. C'est ça, je m'en ai dit, quand tu vas à l'épicerie puis que tu mets tes choses dans un plat. Tu sais, t'amènes ton plat Tupperware puis tu prends de la viande froide, ben, t'as mis dedans au lieu dans des petits sacs, là. C'est vraiment, il va tout le temps un pas de plus et je veux que vous me mettez, vous, c'est quoi vos must écolo, qu'est-ce que vous faites pour la planète, des trucs, tu sais, donnez-le en trucs pour que les gens, ils lisent les commentaires puis que ça leur donne des trucs à eux sans trop les bousculer. Alors, c'est ça, c'était ma petite vidéo écolo, j'espère que vous avez vraiment aimé ça. On s'en va dans un monde vert et, est-ce que je vous le dis ici? Oh, est-ce que je vous annonce quelque chose en primeur ici? OK! Donc, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin du vidéo parce que je vous annonce que ma compagnie d'événements Création V devient de plus en plus zéro déchet. Je capote. On a créé ça il y a quelques semaines et ça se concrétise petit à petit. Et là, c'est officiel. Création V sera une compagnie écolo. Je vous explique un peu le concept. Je vais prendre un petit 2 minutes pour vous l'expliquer parce que je trouve que c'est vraiment dans le même concept. Le même concept que Écolo Zéro Déchet. Création V va, dans le fond, arriver avec la vaisselle, ustensiles, déco, toutes des choses réutilisables. On élimine les ustensiles en plastique, la vaisselle en plastique, les ballons, on les remplace pour de la déco plus Pinterest, plus vert, moins de déchets. Exemple que vous faites affaire avec nous, c'est, on va avoir, nous, de la vaisselle réutilisable. Vous mettez ça. Le concept est vraiment qu'on vient faire un décor Pinterest que toi, ça coûterait les yeux de la tête, mais nous, c'est en location. On vient vous l'installer. Et une fois fini, vous rincez vos choses, vous mettez dans un bac. Création V vient le chercher. Et nous, on s'occupe du lavage et etc. Même chose pour la déco. Donc, je suis vraiment fière de mettre ce projet en place. Je capote comment je peux faire un peu de plus. Parce que je trouve que c'est là-dedans. C'est dans les fêtes d'enfants. Un, ça nous coûte tout le temps cher au de l'eau. Puis deux, aïe, je dois pas être la seule qui fait une crise cardiaque quand ils ramassent le sac à poubelle rempli d'assiettes de carton. Puis c'est sûr que vous n'avez pas toutes 60 assiettes en vitre, ou pas en vitre, mais en porcelaine, ou 60 belles assiettes en plastique. Donc nous, on est là pour ça. Donc je suis vraiment, vraiment fière de vous annoncer que Création V devient vert. Je suis vraiment énervée. Donc ça, c'est vrai, ça va conclure ma vidéo. J'espère que vous êtes contents. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le Facebook de Création V. Vous pouvez écrire des suggestions. Si vous avez des suggestions aussi pour notre compagnie d'événements, laissez-les là. Exemple, au lieu des ballons, je connais une compagnie qui fait des vrais ballons qui restent gonflés, whatever. Laissez ça en barre info, pas en barre info, en commentaire avec vos trucs écolo. Puis on se voit dans une prochaine vidéo!